Les gars, vous m'écoutez ? S'il vous plaît. Les contrôles de police se passent souvent dans un climat de tension. Et les outrages à agents peuvent fuser rapidement. Les policiers peuvent ensuite porter plainte, car c'est un délit. Sauf qu'un business autour de ce délit est aujourd'hui dénoncé par des avocats. Je suis donc allée à la rencontre de l'un d'entre eux pour tenter de comprendre. Donc en fait, il y a certains agents qui en abusent. Certains policiers viennent arrondir entre guillemets leur fin de mois en demandant des dommages et intérêts. Un rapport de l'inspection générale rendu fin 2013 dénonçait déjà cette pratique. L'outrage, selon l'article 433-5 du Code pénal. Ce sont des paroles, des gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ou au respect de la fonction dont elle est investie, l'amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Le rapport lui-même de l'inspection parle d'habitués et qui parlait d'un policier qui avait, ne serait-ce qu'en 2012, en un an, déposé 28 dossiers de demande de dommages et intérêts. Alors quand vous avez 28 dossiers à minima 300 euros de dommages et intérêts, bon, ça commence à faire beaucoup. Les frais d'avocat des agents sont pris en charge par l'administration. Un coût pour l'État de plus de 13 millions d'euros en 2012. J'ai pu rencontrer un syndicat de police pour recueillir son point de vue. Le système dont il me parle, pour vous, n'existe pas? Non, pour moi, c'est vraiment un procès d'intention qui est fait aujourd'hui. On est largement dépassé le cadre de l'outrage. Aujourd'hui, quand on parle d'outrage à des collègues, presque ils rigolent. Ce rapport, déjà, est ancien et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il faut rappeler que l'administration a émis ce rapport. Pourquoi? Non pas parce que les faits n'existaient pas, mais parce que ça coûtait trop cher à l'administration. La nuance est quand même extrêmement importante. Il y aurait à Paris 5 cabinets d'avocats spécialisés qui ne traitent que de ces délits d'outrage et rébellion à agents. Des cabinets qui utilisent par exemple ce genre de documents déjà prêts à remplir, sans éléments précis concernant les préjudices subis. Je connais des confrères qui travaillent dans ce cabinet, et même une qui a quitté ce cabinet il y a à peu près un an parce que la pratique commençait un peu à la déranger. En tout cas, vous constatez encore les mêmes pratiques? Ça perdure. Moi, en tout cas, dans ma pratique quotidienne, ça n'a pas changé. Mais les policiers ne sont pas de cet avis. L'ultra-violence aujourd'hui s'est banalisée et on en est largement dépassé le cadre de simples insultes. Si on en était là, presque on pourrait s'en contenter. Aujourd'hui, effectivement, même s'il ne faut pas en parler, on est dans un cadre de violence physique faite aux personnes, faite aux forces de l'ordre et on dépasse largement le cadre de l'insulte simple. Selon le ministère de la Justice, le nombre de plaintes pour outrage déposées par des agents de police est en baisse depuis 2 ans. Mais d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, le business des outrages existe toujours.